Chapitre 1, c'est le début, je m'avance hésitant, pas encore sûr de ce que je fais devant ce mic imposant. Je me dis, vas-y mon gars, crois en toi, laisse-toi aller. Je ferme les yeux, j'inspire et commence le couplet. Je tourne en rond, stop. Toujours le beat dans mes oreilles, mais je suis figé. Pourtant le texte est là, l'envie aussi, impossible de parler. Je m'éloigne du mic, m'assieds et soupire. Je vois mon reflet dans la glace et commence à réfléchir. Mais quel con pour y gâter, je crois faire quoi? Faire la morale aux gens, la vingtaine à l'uni, comme si c'était important. Merde, qu'est-ce qu'on peut s'en foutre de ce que je pense? Sans rien connaître de la vie, comment je pourrais faire du sens? C'est vrai, je suis bien tombé, pas pauvre, jamais en galère. Je connais pas la dépression, la pauvreté ou la misère. Papa, maman, m'offre des cadeaux toutes les années. Et je veux dire quoi, sérieux, je fais pitié, sincèrement. Les bons rappeurs en ont à dire. Injustice sociale, problème d'argent, parfois bien pire. Et me voilà moi, mon matos, mes idées qui n'en sont pas. J'essaye de rapper ma vie, mais merde, au nom de quoi? Je reprends conscience, le monde se remet à tourner. Mes doutes remplissent le studio en entier. Je m'épose, enlève mon casque, me mets à réfléchir. Merde, c'est vrai, j'ai quand même des choses à dire. Après tout c'est la norme, y'a qu'à voir autour de moi. C'est pareil pour toutes les personnes que je connais et que je côtoie. La plupart n'ont pas vraiment de vrais problèmes. Juste une énorme flemme quand il faut sortir la poubelle. Comprenez-moi bien, je dis pas que notre monde est parfait. Des guerres, des problèmes, y'en a, oui c'est bien vrai. Mais en attendant, la plupart des gens sont comme moi. C'est sans doute pour ça que je veux faire entendre ma voix. C'est ça, mon chapitre 1. C'est réaliste, je ne vends pas de galères, de drames ou de chansons tristes. Je veux juste rapper ce que je vis et ce qui me touche. Des problèmes qui n'en sont pas, mais qui font mouche.